Bonjour, dimanche, c'est la fête des mères. Nous sommes chez ma maman, comme je vous avais dit. On a tout mis dehors. Il fait chaud, il fait beau, c'est cool. C'est très bien. J'ai 2 ans et demi. Non, mais elle a raison, hein. Ben oui, bien sûr. Elle a fait ça. Ça aurait été dommage de ne pas manger là. Poivron. Aubergine, poivron. Des œufs. Et la petite salade. Ok. Coupée. Ah, c'est génial. C'est pour la déco, ça. Elle m'a dit qu'il y avait du pain en plus. Moi, je les ai mangés. Heureux. Mais le lendemain, j'ai très peu vlogué parce qu'on était en famille. J'ai posé la caméra et c'est très bien comme ça. Vous avez vu les verrines, enfin les grosses verrines, les entrées. Mais derrière, il y avait des petites cuisses de poulet marinées avec des pâtes à des légumes. C'était exceptionnel. Et bien évidemment, qu'est-ce qu'on avait en dessert? Des mignardises, tout ce que j'aime. Et j'en ai mangé aucune. Aujourd'hui, c'est compliqué pour moi. Enfin, ce matin, parce que j'ai hyper mal géré. Je me suis réveillée avec une migraine. Mais je me suis dit, le paracétamol suffira, j'ai pas voulu prendre le triptan, résultat, bah, ça fait bien 4-5 heures, donc c'est trop tard. Et là, ça va me ruiner ma journée, je le sens, je le sais, ça y est évolutif, bref. Donc c'est pas grave, je vais me tenter un autre café. Je vous montre, avant que je n'oublie le cadeau de ma fille. Ouh. Ça sent super bon d'ailleurs. C'est la gamme, j'avais déjà testé, elle est super bien. 1, 2, 3. Ça va? On ne me dérange pas? Ça, c'est cool parce que je n'en avais plus et je voulais m'en acheter un. C'est un tonique à l'acide hyaluronique. Donc en fait, on a tout un ensemble. Elle m'a pris quoi? Elle m'a pris un cleaner, donc un nettoyant pour le visage. Elle m'a pris également quoi? Donc un sérum à l'acide hyaluronique. Elle m'a pris, ah nickel, un patch. La marque est sympa au niveau du packaging. Et un petit masque pour le visage que je vais m'empresser de mettre au frigo. C'est un flacon en verre, hein. C'est très lourd. Voilà. Le tonique, je vais me le mettre au frais aussi celui-là et je vais me le tester ce soir. Et bah moi aussi je me suis fait un cadeau de fête des mères, on va dire. Ça faisait quelques jours que je l'avais repéré et que je voulais. Je suis trop contente, j'ai hâte. Alors je me suis pris un sac à dos, je vous l'ai montré dernièrement. Donc nickel, pratique parce qu'il est grand, je peux tout mettre. Mais je voulais également... idéalement même pour cet été et puis pour le reste de l'année parce que vous allez voir, enfin non, vous verrez le modèle quand je le recevrai. Un petit sac, enfin on va dire une petite sacoche qui prenne pas trop de place mais que je puisse mettre ma caméra, mon téléphone, mon nécessaire, vraiment pas trop. C'est trop beau, c'est Nathan Lean. Et ce qui est cool, c'est que avec ma perche actuelle, ça ne rentrait pas. Donc moi j'ai besoin d'avoir ma caméra tout le temps, j'aime bien quand je sors. Et j'ai retrouvé, je suis trop contente, une mini perche qui va faire que tout va rentrer. Donc il y a la migraine, mais il y a aussi des choses cool. Ah, je vais essayer de me faire. Je vais me faire une infusion, parce que je sais que les boissons chaudes, ça peut faire du bien, avec du gingembre. Ouais, et puis il faut que j'appelle. Ouais, mais on est lundi, il faut que j'appelle le coiffeur, j'en peux plus. C'est vraiment très très moche, les racines, c'est pas beau. Non, pas beau du tout. Enfin, moi, ça me gêne, visuellement. Ah, et les cadeaux que j'ai... Une voiture qui va en arrière. C'est chaud. Et ma maman était très contente. Le chemisier lui va super bien. Le petit meuble de salle de bain, même s'il n'est pas hyper stable, elle était très contente. Elle a même tout installé. Vraiment chaud. Elle a tout installé. C'est très beau. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette corbeille de fruits? Il va falloir que je les mange parce qu'avec la chaleur. Les kiwis, les poires, pareil. Ah, bah le voilà. Je savais bien qu'il m'a laissé un petit bout de gingembre. Je suis désolée, mon Jackie, mais là, t'es ridicule. Je suis obligée de t'afficher. Regardez le bout de son nez. Venez mon Jackie, allez, on nettoie. Je suis toujours autant contente de ma smeg. Je me suis réveillée à 6h et j'ai vachement bien bossé. J'ai commencé à appeler mes fournisseurs pour donner les chiffres un petit peu plus précis pour la box du mois de... Bah, la box là qui est actuellement en commande, vous pouvez encore la commander jusqu'au 10 juin. Je l'ai déjà dit sur les réseaux, mais elle va être super jolie. Et donc, j'ai commencé à voir un petit peu avec les marques, leur demander, parce que je vais faire le flyer. Il y a du taf. Il y a toute une logistique à faire. Et puis, forcément, la comptabilité qui doit être faite aussi tous les mois. Et c'est pour ça, quand je me réveille avec une migraine, ça saoule. Ah, c'est bouillant. Bouh. Bon, ma tête, vous l'aurez compris, ça ne va pas mieux. En fait, à 11h, c'était tellement violent. Habituellement, la nausée, elle arrive en fin de journée, là, direct. Mais envie de vomir, horrible. Et une douleur très, très intense. Donc, j'étais me coucher, j'étais dans le noir, c'est encore tiré, là. Eric, je sais qu'il est arrivé pour manger et il est monté rapidement. Et j'avais même pas la force de lui parler, vraiment pas. Il a compris et je me suis réveillée à 13h30 parce que c'est la factrice qui a sonné pour me livrer quelque chose.
voyez, quand je vous dis que les migraines, ça te déglingue une journée, c'est fou. Là, il faut quand même que j'aille chercher, que j'aille à la pharmacie parce que j'ai toujours pas pris. Il me restait trois comprimés, pilules et tout ça. Donc, demain matin, je n'aurai plus rien. Je vais y aller. Je vais pas trop traîner parce qu'il y a quand même gros soleil. Donc, le soleil, ça fait pas bon ménage quand t'as la migraine. Mais sortir, ça peut faire du bien quand même. Voilà. Donc, ce que je devais faire cet après-midi, j'ai pas pu le faire. Mais bon, bah voilà, il y a des priorités. En plus, j'ai le ventre qui me fait mal. Ça fait 7 jours que j'ai mes règles. 7 jours que je suis pliée en deux. Mais vraiment, des douleurs aux ovaires, c'est terrible. C'est peut-être lié aussi à la migraine. Parce que je disais la pizza, ça, la bandeau, la pizza. Mais ça se trouve, c'est hormonal. J'en sais rien. Si, là, je me suis fait quand même, en ouvrant le colis. Je me suis fait quoi? Eh ben, je me suis fait un toast. J'avais envie de toast grillé avec du beurre et un café. Ça s'est passé. Mardi, nous sommes donc le lendemain. Waouh, ce fut très compliqué à tel point que j'ai même pas été à la pharmacie. Horrible, horrible. Le seul avantage en fait de la migraine, c'est que tu prends pleine conscience le lendemain du privilège de ne pas avoir mal à la tête. J'avais le cerveau comme pris en otage, vous voyez, et c'est horrible, horrible. Donc là, ça va beaucoup mieux. Et je suis descendue, je comprenais pas le délire. Il y avait 5 gendarmes à ma fenêtre. Et donc, je me suis dit, waouh, ils sont encore là d'ailleurs. Ouais. Et mais oui, c'est le 6 juin, c'est le débarquement de Normandie. Et c'est également l'anniversaire de mon papa. Ils étaient 6 gendarmes. Donc ça fait tout drôle quand tu captes pas en fait ce qui se passe vraiment. Tu dis, c'est pour moi, qu'est-ce que j'ai encore fait? Et là, il est 10h44, je pars. À la pharmacie, cette fois-ci, il n'y a pas, j'ai plus. J'ai même pas pu prendre ma pilule ce matin, je n'en ai plus. Bonjour. Bonjour. Ah, mais pas du tout. C'est la CGT qui manifeste le 6 juin. Ah, je comprends plus rien. Je me sens tellement mieux, si vous saviez. C'est la folie. Rien à voir, en fait. Hein. Il n'y a rien. Ça se passe que les défilés sur les plages Normandie. Ah, c'est vraiment que la CGT. J'ai pas compris pourquoi le gendarme m'a dit bon. J'en apprends des choses. Je comprends en fait. La manifestation se fait juste devant chez moi. Parce qu'en fait, ils sont en train de lire un texte devant le QG, je savais même pas, du député qui s'est installé juste en face. Et je ne savais pas. Il a fallu que ce soit mes voisins qui me l'apprennent. Et c'est vrai que je voyais la grande voiture du député à chaque fois, de plus en plus. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris une tradition et j'ai pris... deux petits sandwichs, voilà, on va dire que c'est pour faire marcher le commerce. J'ai pris celui-ci, il me tentait bien. C'est de la dinde, je crois, dinde chèvre. Bon, gros programme quand même pour moi aujourd'hui. Je dois rattraper tout ce que j'ai pas pu faire hier. Et les courses, ça m'en... Franchement, pas envie, mais faut... là, j'ai pas le choix. Ça, c'est... Il parle fort quand même. Ouais, courses... Tout à l'heure, j'ai dit le député de Eure-et-Loir, l'un des députés. Il doit y avoir 4 circonscriptions, je pense. Midi 11, Eric ne devrait plus tarder. Bah, vous savez quoi? Entre le moment où je vous ai laissé là en papoter et là maintenant, il s'est passé quoi? 3 quarts d'heure? Et bien, en 3 quarts d'heure, j'ai vachement bien bossé. Ce qui amorce une après-midi sympathique. Je crois que c'est Eric là que j'ai vu passer. Et là, ça me revient en pleine face. Les courses, les courses, les courses. Pas envie, mais tellement pas envie. Je n'ai pas le choix. C'est ça qu'il faut que je pense à vous montrer. L'ambiance avec les éclairages le soir, parce que c'est vraiment sympa, le petit luminaire. Bébé, t'as tout loupé. J'ai ? Tout loupé. J'ai tout loupé ? Tout. Il s'est passé quoi ? Je t'ai pris le poulet. Mmh. Et ça a été ce matin ? Mmh. Putain, tu l'as déjà canardé J'ai déjeuné il y a 6 heures. Ah mais non, c'est pas du poulet, c'est du jambon. Ah, bon, je suis pas fan du jambon. Tu sais que Jack t'attend depuis tout à l'heure, hein, pour jouer. Hein. J'ai filé à Leclerc, et au moment où je filais, on m'a appelé, il m'a dit « Oh, j'ai envie de m'acheter une nouvelle café », parce qu'on lui a dit dimanche dernier que son café était vraiment pas bon. Et là, la scène, c'est au basique, et du coup, bah, je l'ai aidé à trouver une nouvelle. Je me suis essayé une combinaison pantalon chez Bonobo, magnifique, mais pff, elle me serrait trop. Je vous montrerai vite fait ce que j'ai trouvé en rentrant. Non mais c'est vrai, l'or c'est top, très très bien. Alors je suis passée, bon déjà je vais mettre les courses, il y a vraiment très peu de choses, hein. Vraiment. Et j'ai pas pris tout ce que je voulais, j'ai pas trouvé tous les fruits que je voulais. Je voulais de la goye, des papayes, des goyas, enfin je voulais plein de trucs. Bon, ça, des tendres machin. Je me suis pris, parce qu'on va recommencer les petits déj à base d'œufs, donc des œufs au plat, des omelettes le matin, donc j'en ai pris pas mal. Je dis on, mais non,
c'est moi uniquement. Eric, lui, c'est pas son délire. Ça, donc à Leclerc, je l'ai fait trancher, c'est le pain nordique que je viens toaster. J'ai repris ça parce que c'est quand même extrêmement bon, hein. Du fromage blanc que j'agrémente avec pas mal de trucs sympas. Ça, la petite touche pour aller justement avec le fromage blanc, pomme bio. J'ai ça et j'ai les jaunes, comme ça. J'ai quoi d'autre? Des avocats. J'ai repris de la viande rouge, deux steaks comme ça. Voilà. Un petit melon. Je pense le manger ce soir d'ailleurs. Et c'est pas tout. Et puis juste ça, ça c'est pour moi la dépanne, il est trop bon. Le midi, les pois cassés. Voilà, et je suis passée à une heure pour soi pour... Attends, je range et je vous reprends. Les avocats, je suis obligée de les mettre au frais parce que Jack les vole. Il met ses crocs, il se barre avec. J'avais fait une vidéo d'ailleurs. Ça, carton, carton, pam, pam, pam. Ma maman qui me dit, qu'est-ce que tu es nerveuse. Ouais, c'est vrai. Au fait, j'ai testé hier, hyper agréable. Le fait de l'avoir mis au frais, c'est canon. Je le mets sur des petits bouts de coton avec la fraîcheur, mais c'est génial. Ramettes pour mes bordereaux. Mon pain, on va le mettre là. Ah, c'est vrai que j'ai acheté du pain aussi ce matin. Bon, bah nickel, on va se faire un beau petit déj demain matin. Quel jour sommes-nous? Mardi, ah ouais. Oui, donc une heure pour soi, j'y suis allée pour annuler un rendez-vous. En fait, j'ai pris rendez-vous, mais ils n'avaient pas de place avant au début 15 jours. Donc là, ça fait encore une dizaine de jours pour une dépose et une pose de vernis semi. J'étais obligée de l'enlever moi-même parce qu'il y avait des trous, quoi. Enfin, ça partait, c'était pas beau. La surface de l'ongle est bien abîmée. Donc, j'ai gardé mon rendez-vous de pose dans une dizaine de jours. Et j'ai pris donc un durcisseur. Je crois qu'il y a le... doux, il y a le, ah ouais, il y a le léger, elle m'a dit ça risque de pas être suffisant, il y a le fort que j'ai pris et il y a le très fort, ma maman était avec moi, elle m'a dit qu'elle utilise le très fort mais il me semble qu'il est tellement fort qu'il fait mal. J'ai pris celui-ci et elle m'a expliqué qu'il faut en mettre une aujourd'hui, demain deuxième couche, on enlève avec dissolvant et on recommence. C'est ça qui va faire que ton ongle va se remettre. Bon, non, pour l'heure, je retourne au taf. Wow, ce soir c'est... Oula, je vais y faire tomber. Soirée pizza devant la série. Je fais jamais tomber une pizza. Tu m'étonnes. C'est la honte. On s'est mis en mode film. Il est pas tard, il doit être 19h20. Je commençais à avoir de nouveau mal à la tête. Ça va pas du tout. Donc la petite pizza, je pense que ça va me requinquer. Et là, on va se mater, comme je vous ai dit, là, l'une des séries. Parce que Silo, bah, c'est un épisode tous les vendredis. Donc là, on a déjà tout vu. Enfin non, on attend vendredi. Mais là, on est sur Invasion. Hein. Oui, c'est trop bien. Regardez ce qu'il a pris en plus. C'est des frites. En plus, c'est toi qui me l'as demandé. Non, ça va pas, non. Ce sont des... J'ai le droit, c'est pas sucré. Non, mais ce sont des frites croustillantes. Mais en fait, dedans, c'est pas de la frite, c'est de la purée. Oh, c'est la honte. Qu'est-ce qu'est la honte? De dire que c'est moi qui comment dire. Oh, ça va, ça va. D'ailleurs, dans la vidéo de vendredi, c'est une FAQ. Attention, Eric et moi, nous répondons aux questions que vous nous posez sous les vlogs, les questions aussi qui ont été mises sur Insta. Donc, c'est vendredi. Ah, c'est la tienne, poulet. Mmh, oui. Et moi, c'est steak and cheese. Pendant que j'y pense, je vous montre la fameuse petite ambiance le soir. Et donc là, il y a le point de lumière en bas, et là bah, il manquera, il faut qu'on fasse réparer le luminaire. Le point de lumière au sol, pas du miroir. Je regrette pas du tout cet achat. Oh là là, bon, on est le lendemain, j'étais en train de me sécher les cheveux, j'entendais avoir des pop signes. Et je. Ah, Eric. Et j'ai vu passer Jack avec, je sais pas si une souris, un oiseau. Jack, t'es où? Oiseau, allez, non, c'est bon, allez, Jack. Jack vient de choper un oiseau. Ah, c'est un moi. Ah là là. J'ai essayé, mais j'ai rien pu faire. C'était un petit oiseau. Je vais pas engueuler Jack, hein, il était tout fier. Et bientôt 14h, je me suis encore changée parce qu'on va préparer la vidéo. J'ai redemandé à Eric, vraiment, tu veux bien la faire? Oui, oui, oui. Et quoi d'autre à vous dire? Oui, j'ai reçu, je l'ai pas encore ouvert, mon nouveau sac que je me suis offert. Je le sens très bien. Mais vous risquez de me détester. Parce que je pense que je vais vous montrer dimanche, enfin dans le vlog de dimanche,
parce que là, j'ai peur que ça fasse... Enfin, que j'ai pas le temps et que je prenne pas le temps. Je rire quand même. C'était compliqué pour moi, cette histoire de petit oiseau. Hein. J'en parle pas trop, mais surtout étant une personne ultra sensible en ce qui concerne les animaux, ça m'a un peu bousculée, même si je me dis que c'est la dure loi de la nature. Bon, déjà, est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. C'est très, 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 très rare que je me fasse des petits cadeaux, des sacs et tout. Voilà, il est là. Ça fait trop plaisir. Donc là, je vais tout installer. Je vais me coiffer parce que là, c'est pas ouf. D'ailleurs, mes cheveux, pas avant 15 jours. J'ai rendez-vous parce que ma coiffeuse est en vacances. Donc, on va attendre, c'est pas grave. Et ouais, donc je vous reprends après le tournage. J'espère que ça va bien se passer. Je sais. Alors, c'est pas que c'était un fiasco, mais en fait, on a commencé et Eric n'était pas à l'aise de le faire ici, en fait, posé. Il m'a dit, je pense que le mieux, et il a complètement raison, c'est qu'on le fasse en extérieur. Et ça sera beaucoup plus fluide pour lui plutôt que posé comme ça, voilà. Et moi, ça va me permettre, il est 2h14, pour vous dire, ça a été assez rapide. Je vais pouvoir m'atteler à faire le montage du vlog que vous êtes en train de regarder. Et je clôt maintenant ce vlog. Sachez que donc dimanche, on se retrouve, il va y avoir plein de choses. Et notamment, je vous montre mon nouvel achat, mon sac. Et vendredi, normalement, si tout va bien, on a notre FAQ avec Eric. Donc je vous fais un gros bisou et on se retrouve vendredi. Bisous, ciao.